Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce fil de rencontres particulier réservé à un homme qui est un grand militant qui a payé de longues années de sa vie dans les prisons tunisiennes, un militant incontestable et reconnu par tous, y compris par les adversaires politiques. J'ai nommé Monsieur Ali Larrive, ancien ministre de l'Intérieur après la Révolution, ancien chef du gouvernement tunisien, démissionnaire par sa propre volonté. Il nous expliquera les conditions de cette démission et de cet abandon volontaire du pouvoir, même si certains de ses adversaires le qualifient de démission forcée. Nous reviendrons là-dessus. Monsieur Ali Larrive est âgé de 58 ans. Il est né à Médine. C'est une figure du mouvement islamiste al-Nahda. Il était depuis le début dans ce mouvement politique quand il s'appelait Al-Ittijaḥ al-Islami, qui est devenu par la suite Al-Nahda, ça veut dire la Renaissance. Il occupe la tête d'un ministère qui fut pendant longtemps son cauchemar, le ministère de l'Intérieur, par la suite donc couronné comme chef de gouvernement. Nous allons tout de suite commencer cette rencontre avec M. Ali Larrive. Monsieur le Premier ministre, bonjour et bienvenue sur les ondes de Oumma TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci. Monsieur le Premier ministre, je voudrais savoir une chose, même si ma question va vous sembler un peu douloureuse, mais il est vrai que beaucoup de Tunisiens se posent cette question. Comment on fait quand on a été torturé, opprimé, emprisonné, mis à l'isolement pendant 10 ans, condamné à mort, pour avoir le courage d'aller à son bureau, au ministère de l'Intérieur, à peine quelques étages au-dessus de la cave des horreurs, de la cave de la torture? Quel fut à ce moment votre sentiment? Comment vous avez vécu cela? Est-ce qu'un jour, il vous a été difficile de vous lever le matin pour y aller? Bismillahirrahmanirrahim. Merci pour vous tous. Je suis heureux d'être parmi vous. Pour ce qui est de votre question, bon, c'est peut-être la vraie concrétisation de la révolution tunisienne qu'un détenu qui a été condamné à mort prend les rênes du ministère de l'Intérieur. Il est vrai que c'était un moment très fort pour moi d'aller au ministère de l'Intérieur en tant que premier responsable. J'ai toujours poser la question comment ils vont me traiter, comment ils vont collaborer avec moi. Ça a pris un peu de temps, puis tout est réglé, tout est rentré dans l'ordre. Donc je suis le premier chef de ce ministère et j'ai dit, moi, je ne vois pas, je ne tiens pas beaucoup compte de ce qui s'est passé. Ce qui m'intéresse en tant que militant, c'est de réaliser l'objectif primordial de la révolution et ce qui est primordial pour notre mouvement, mon parti, pour toute notre carrière de militant, c'est la liberté et toutes ses filiales, liberté d'expression, d'organisation et tout. Donc, c'est la démocratie. Est-ce que vous avez pu vivre dans la pratique le sens de la sourate du Coran où Allah Azza wa Jal dit ادفع بالتي هي احسن فالذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. En étant à la tête de ce ministère, est-ce que vous avez eu le sentiment de vivre cela? Oui, cela, mais aussi, c'est il y a beaucoup de références auxquelles je me réfère pour dépasser toutes les situations, toutes les souffrances que nous avons endurées durant le régime de Ben Ali et de celui de Bourguiba. En fait, j'ai beaucoup lu sur les révolutions et j'ai toujours dit que l'essentiel, ce n'est pas de régler des comptes avec des gens. L'essentiel pour un militant, pour un responsable, c'est de, je ne trouve pas le mot, de créer la société, la cohésion sociale, d'aller en avant. Ce n'est pas d'aller vers le passé. Comment? Parce que je suis complètement comblé lorsque le premier objectif qui est créer une société, non seulement un régime politique, mais aussi une société libre, démocrate et paisible. Le reste, ce sont des stimulants. Je sens parfois une honte si on prend les choses par vengeance. Ça ne crée pas une société. Ça ne crée pas des liaisons de l'unité nationale. Ça sème la haine, ça sème les souffrances. Nous avons suffisamment, la population a suffisamment enduré pour ne pas y ajouter. Alors, comment expliquez-vous le fait qu'il y ait une réelle détestation palpable
et une sorte pratiquement de haine quand on voit les médias tunisiens, télévisuels et audio, même dans la presse écrite, à l'égard de Nahda de la part d'une certaine frange de la classe politique tunisienne et même de la part d'une certaine partie de la population tunisienne. Comment expliquer cela? Après tout le prix que les militants de Nahda ont payé, et on arrive encore à détester ou à haïr ce mouvement? Est-ce que c'est réellement une guerre idéologique profonde ou quelle est la vraie raison? Durant le régime de Bourguiba et celui de Ben Ali, on a cessé de sataniser, c'est ça le mot? Absolument. Le parti Nahda, ex-mouvement de tendance islamique MTI. On a semé dans la population beaucoup de déformations. Juste après la révolution, nous nous sommes posé la question comment le peuple va nous accepter, nous qui étions absents plus de deux décennies. Mais Dieu merci, après avoir fait des contacts avec la population s'est bien, nous a bien accueillis et nous disons, nous travaillons à long terme et nous disons toujours le mot qu'a dit Yasser Arafat, Yajabel Mayezakri. Il faut être sûr de lui, être modeste et travailler, et c'est le long terme qui fait assimiler aux gens et surtout à nos opposants qui ont, parmi eux, beaucoup ont pris beaucoup de temps pour assimiler qu'un mouvement comme Nahda soit un parti politique légalisé et il aura la première place dans les élections et encore plus, il tient les rênes du gouvernement. C'était vraiment quelque chose de difficile à assimiler dans un petit temps. Mais nous parions sur le temps. Et l'un des grands leaders du mouvement azamique a dit que le temps est une partie de la solution. Eh bien, dans ce cas, comment vous avez eu 3 années pour, ce n'est pas peut-être suffisant, il faut beaucoup plus, pour établir un lien de confiance avec les autres partenaires et même adversaires politiques de la scène tunisienne. Comment expliquer qu'on ait le sentiment, nous, de l'extérieur, que ces partenaires politiques n'accordent aucune confiance à Nahda, ne croient pas à la sincérité des propos de Nahda, bien que Nahda, pendant ces 3 dernières années, par les faits, ait prouvé qu'elle a tenu ses engagements. On continue à douter encore. Oui, parce que les masses médias en général, les moyens d'information sont détenus par des opposants ou bien par l'ancien régime et parfois par des extrémistes. Et donc tous, ils ont l'air toujours de faire des diffamations sur le parti Ennahda. Nous travaillons dur, beaucoup sur cette question. Et nous disons que petit à petit, les gens arrivent à comprendre cela. Et non sur le peuple, parce que le peuple, il est entre les deux. Il arrive à comprendre qu'il n'y a pas de dualité dans le mouvement, le parti Ennahda. D'ailleurs, dans ces 3 années, et surtout au début des 2 années où le parti Ennahda était au gouvernement, il y a des gens qui ont dit on a peur sur la liberté, les droits de la femme, la culture, la cohésion sociale, la vengeance, etc. Et voilà 2 années où le parti Ennahda est le majoritaire au gouvernement comme à l'Assemblée nationale constituante. Et sur toutes ces dimensions, on a sauvegardé la liberté, on l'a ancrée davantage, on l'a institutionnalisée et on a encore préservé les acquis de la femme et on essaye de les renforcer. Donc toutes ces diffamations tombent l'une après l'autre. Il faut donner du temps au temps à dire. D'ailleurs, parmi ceux qui manifestent très peu de confiance, le chef d'un grand parti né après la révolution, Bejraït Sebsi, s'était engagé pendant le dialogue national à ne présenter des candidats à la primature en Tunisie indépendants. Or, on voit qu'un des candidats présentés par ce parti, Mohamed Nasser, aujourd'hui a rejoint ce parti. Quel sentiment? Parce qu'on vous accuse d'un côté de manque de sincérité politique et on voit dans les faits le manque de sincérité de l'autre côté. Je le savais moi-même. Beaucoup de leaders de Nahda savent que Mohamed Nasser était un grand ministre à l'époque de Bourguiba comme à l'époque de Ben Ali et qu'il est un doustourien, qu'il est de cette famille et donc il va rejoindre Béji. Il n'a pas vraiment dit sa comment dire, il n'est pas élément
leader dans le parti Nida Tounes à l'époque où on cherchait un premier ministre, mais nous savons que c'est un grand ami et il va rejoindre ce parti. Donc, ça ne m'a pas été une surprise. Ce sont les cours des choses. C'est pourquoi Nada disait toujours que, en fait, M. Nasser et M. Nabli, etc., ce ne sont pas des indépendants. M. Beji tiendrait parce qu'il sait qu'ils, sont, qu'ils font partie de son mouvement. De sa mouvance de pensée. Voilà, vous venez de dire que votre expérience vous a appris de laisser le temps au temps pour que le temps pense les plaies, pour construire une société large et une société homogène. Oui. Mais est-ce qu'au sein même de votre mouvement, qui vous est cher, vous y dans ce mouvement depuis ses origines, depuis le début. Oui. Est-ce qu'il y a une unanimité sur cette question de ne pas poursuivre les criminels d'hier et de ne pas faire des, pas des règlements de compte, mais que certains rendent compte au peuple et aux victimes. Est-ce qu'au sein de votre mouvement, vous avez réussi ou vous allez réussir à les convaincre d'accepter cette idée qui est noble en soi, mais qui peut créer des mécontentements? Pour la question de la vengeance, nous avons une unanimité au sein de notre mouvement. Mais nous ne nous, nous disons pas qu'il n'y a pas de, de poursuite. Nous disons que la justice transitionnelle doit essayer de régler ses problèmes avec l'ancien régime tout en allant vers le futur et non vers le passé. Donc il y aurait des poursuites. Mais ces poursuites, ce ne sont pas dans un, dans un contexte de vengeance, mais dans un contexte de réconciliation nationale. Mon sens, le sens de ma question n'est pas la vengeance, c'est simplement que certains ont vu leurs droits bafoués pendant presque un demi-siècle, parce que c'est depuis Bourguiba, pas que depuis Ben Ali, et espéraient énormément dans les gouvernements successifs de la Troïka qu'il y ait un début de justice, un début de questionnement, au moins. Est-ce que c'est le fait que l'appareil judiciaire, laissez-moi dire les choses clairement, n'est pas totalement acquis au gouvernement successif de M. Jbel et du vôtre, ou bien est-ce que parce que vous n'êtes pas encore bien implanté et que ce n'est qu'un moratoire provisoire, le temps de vous asseoir dans le pouvoir, ou bien c'est tout simplement vraiment votre idée de dire on tourne la page et on regarde vers l'avenir? Nous voulons, tout d'abord, nous avons dit qu'il n'y aura pas de vengeance et il n'y a pas eu de vengeance. La seconde, c'est que régler les problèmes du passé doit être selon une loi qui a été éditée récemment, la loi de la justice transitionnelle. Il y aurait une commission indépendante qui va prendre ce dossier et qui va vraiment devant le peuple et devant tout le monde et devant tous les médias, elle va chercher tous les arguments et tous les victimes. Nous avons essayé de trouver des solutions immédiates pour les victimes, pour qu'ils reconstruisent leur vie, mais tout ce qui est, comment dirais-je, mahasba, comment vous dites ça? Ça veut dire tout ce qui demander est responsabilité, des comptes. Oui, tout ce qui, voilà. Tout ce qui est rendre des comptes et pénalisation probable, sera fait par cette commission pour qu'il soit selon les lois et non selon la vengeance. Donc, nous ne disons pas qu'il n'y aura pas de rendre compte. Mais si, ça prend il y aura, du temps. Oui, ça prendra du temps. Je suis persuadé que, comme d'ailleurs dans d'autres pays qui sont passés par cette justice transitionnelle, ça prend du temps. Alors, Monsieur le Premier ministre, j'ai deux questions qui risquent de ne pas vous faire plaisir. Donc, nous ne précipitons pas à faire entrer des gens aux prisons, etc. Bon, pour ce qui est de la justice, vous l'avez signalé, c'est vrai, les réformes vont plus rapidement dans des domaines que d'autres. Par exemple, au sein du ministère de l'Intérieur, au sein peut-être de l'information, dans beaucoup de domaines, les réformes se font un peu plus vite. Au sein de la justice, ça prend un peu plus de temps. C'est son caractère même. Je vais passer à deux questions un peu plus, pas gênantes, mais peut-être embarrassantes. Il y a une opinion majoritaire, je ne suis pas là pour juger si elle est juste ou fausse. Ouais. Une opinion majoritaire appuyée et nourrie, il faut le dire, par vos adversaires politiques, par certains médias en Tunisie, qui veut vous coller l'étiquette de laxisme. Quand vous étiez au ministère de l'Intérieur, vous n'avez pas pris
assez de décisions fermes, quant à la gestion de la question sécuritaire, de la question des djihadistes salafistes, de la question d'Abu Iyad quand il s'est échappé de la mosquée Al-Fatah, alors que, semble-t-il, selon ces mêmes voies, il était possible de l'arrêter. En parallèle, à côté de ces reproches, on vous reproche également d'avoir été très ferme, c'est le contraire de ce que je viens de dire, dans la gestion des manifestations, dans l'incident triste de Rush à Seliane. Quelle est votre réponse apportée au peuple, s'il vous plaît? Aujourd'hui, vous n'êtes plus sous le poids des responsabilités. Vous pouvez, sans dévoiler des secrets d'État, nous dire qu'est-ce qu'il en est réellement. C'est très simple. La question est la suivante. Juste après la révolution, la Tunisie s'est trouvée devant beaucoup de défis. Le premier, c'est la sécurité et la stabilité. Nous avons pas mal de manifestations sans limite, des sittings, des coupures de route, etc. Même les institutions de l'État ont parfois ont été envahies. Donc il faut un effort gigantesque de l'appareil sécuritaire, aidé par les militaires, pour rétablir un peu la stabilité. Encore plus, il faut tout d'abord faire les réformes de l'appareil sécuritaire et lui rendre la morale et l'équiper convenablement pour qu'elle puisse faire son devoir. Et avec ce problème, nous avons le problème du terrorisme. Donc lorsque j'étais au ministère de l'Intérieur, j'ai affronté deux choses à la fois, alors que les possibilités du ministère de l'Intérieur ne le permettent pas. Le premier, c'est d'instaurer la stabilité dans tout le territoire, et ça prend vraiment énormément d'efforts. Et le second, c'est d'affronter petit à petit le terrorisme. Lequel terrorisme était encore ambigu, il n'y a pas de conférence, même aux yeux de la population. Il a fallu du temps, et même au sein des partis politiques, il a fallu du temps pour qu'ils comprennent qu'il y a Nahda et il y a salafisme. Et dans le salafisme, il y a un grand mouvement qui est pacifiste et qui a les mêmes droits que les autres. D'ailleurs, ils ont des partis politiques. Et qu'il y a une petite faction... On parle faction, du salafisme djihadiste. Oui, il y a une petite faction qui lève les armes contre les institutions de l'État et contre le peuple. Les gens doivent... Il a fallu beaucoup de temps et des interventions pour qu'ils comprennent et pour que lorsque nous interpellons quelqu'un et nous le menons à la justice, ils ne vont pas dire que vous tenez les gens parce qu'ils portent une barbe ou parce qu'ils ont une un barbe. Un délit de faciès. Voilà. Donc ce sont les moyens de l'État qui étaient limités d'une part et j'ai programmé de la façon suivante. D'ailleurs, j'ai demandé à tous les partis politiques et les organisations syndicales d'être cléments dans les manifestations pour qu'on puisse affronter le plus grand danger qui est le terrorisme. Ils n'ont pas voulu. Vous avez même organisé un débat à Carthage avec les responsables de différents partis politiques sur le terrorisme. Ils ne veulent pas comprendre. Alors, j'ai essayé quand même d'affronter les deux à la fois, mais le premier était de faire au maximum, le plus rapidement, de réorganiser l'appareil sécuritaire. Et nous avons, quoi qu'il y a eu des victimes, deux grands politiciens, Al-Hajj Brahmi et Choukri Belaïd, et beaucoup de nos militaires et de nos forces de sécurité ont été des martyrs, mais nous avons quand même, je peux dire, je suis convaincu que nous avons gagné cette guerre et que maintenant, la stabilité est rétablie. Et nous sommes à la poursuite de quelques terroristes qui sont là. Est-ce que vous pensez que le fruit de votre travail, qui ne peut pas se voir immédiatement quand on organise une campagne de sécurité dans un pays, va commencer à être récolté maintenant et dans les mois à venir? Non, je vois que la Tunisie récolte le fruit du travail qui m'ont précédé et le travail de l'équipe avec laquelle j'ai travaillé et de l'équipe qui travaille actuellement. C'est l'État qui continue, les gens passent. Moi, j'ai fait de mon mieux. Mes collègues ont certainement fait de leur mieux. Et donc, je ne fais pas la part. Je ne partage pas. Je vois que le fruit est commun. C'est un effort. C'est très généreux de votre part. Pendant votre mandat de Premier ministre, il est vrai que de l'extérieur, nous qui vivons en France, on voyait mise en exergue l'insécurité, le terrorisme, par exemple, la Chaambi, la chute du dinar tunisien face aux devises étrangères, les troubles sociaux, la violence rythmée la vie quotidienne des Tunisiens. Sauf qu'à peine quelques jours après votre départ et l'arrivée de ce monsieur Mehdi Jomah, comme par une baguette magique, les choses commencent à s'arranger. Au troisième jour, le dinar commence à remonter. On commence à attraper les terroristes, à les tuer ou à les emprisonner. Comment vous vivez ça et comment vous l'expliquez? Bien.
je le vis très normalement et je l'estime. C'est la réussite de la Tunisie et c'est ce qui m'intéresse. Donc nous avançons sur la route de la stabilité, de la sécurité, tout en enracinant la démocratie et le respect des droits de l'homme. Vous avez cette impression, je la respecte. Mais en fait, il y a deux facteurs qui nous aident actuellement. D'une part, nous avons un gouvernement qui est indépendant, donc les clivages et les tergiversations, est-ce que le mot est juste, oui, entre les partis politiques, ça diminue, parce qu'avant, on est contre le gouvernement, non pas seulement parce qu'on n'a pas le même avis sur une question économique ou sociale, mais surtout parce que c'est le parti Ennahda ou c'est le parti Tekatul ou c'est le parti. On est contre le Congrès, parce qu'on doit et surtout, être contre. C'est le parti. Donc maintenant, cet alibi est presque éliminé. De l'autre part, parce que nous avançons toujours dans le temps, les forces de sécurité travaillent. Et si vous comparez l'année 2011, l'année 2012, l'année 2013 et l'année 2014, vous allez trouver que leur effort est ascendant. Donc c'est tout à fait normal. Et je crois que c'est ce qui me réconforte, c'est ce qui me fait, me laisse plus serein qu'avant sur le futur de la Tunisie. Maintenant, si vous le voulez bien, on va revenir à ce qu'on appelle « tanahi min as-sulta », yani « tanahi iradi ». Ça veut dire en français un abandon volontaire du pouvoir que vous aviez, à la fois en tant que Premier ministre, en tant qu'individu, mais également en tant que parti au pouvoir, parti dominant de la Troïka. Selon les uns, votre démission est une démission forcée. C'est ce que Beji Qaïd Sebsi n'arrête pas de vendre un peu partout sur les plateaux, dont récemment sur la chaîne nationale avec Mohamed Bourguelab. Il a dit que, en fait, vous avez cédé à la menace qui vous a été faite, pas à vous, mais à Rajl Ghannouchi, pour lui dire « si vous voulez pas qu'on vous mange deux doigts, on va vous manger la main ». Et c'était exactement son expression et son geste. Est-ce que le peuple tunisien pourrait savoir la vérité, puisque vous êtes un de ses artisans, de ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un abandon volontaire du pouvoir pour sauvegarder les intérêts nationaux et la cohésion nationale, ou bien est-ce que vous avez, comme le vent l'opposition, céder à la pression et aussi de peur de l'exemple égyptien? Écoutez, la Tunisie a réalisé ces derniers mois un succès, qui est la constitution, une issue pour les élections. En deux mots, nous avons mis le pays sur la clarté, sur la voie de la démocratie et des élections avec un gouvernement qui est indépendant et que nous essayons qu'il soit appuyé par tout le monde. Ce succès, chacun essaye de dire que j'étais à l'origine de ce succès. Pour moi, tout le monde a participé dans ce succès réalisé. Reste à savoir que pour le gouvernement, il aurait pu tenir bon et dire je ne démissionne pas. Qu'est-ce qui serait l'état de la Tunisie? Des grèves, des manifestations, utiliser la force, etc. Des problèmes, sociaux, oui. Des troubles. Mais j'aurais pu dire non, je ne vais pas démissionner. D'autant que selon la feuille de route. Ils le savent, oui. Ils le savent très bien, ils l'ont fait. Donc, dire qu'on était contraint à sortir du gouvernement, non, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas vrai. Mais dire qu'il y a des pressions et que, en tant qu'homme politique, en tant que responsable de la situation, je dois trouver, et avec mes collègues, la solution qui préserve la démocratie, la constitution, qui pousse le pays vers plus de démocratie et plus de stabilité. Oui, et c'est mon rôle, et c'est ma mission, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai démissionné pour aider le pays davantage à avoir sa constitution, à aller un pas vers plus de démocratie et d'institutions stables, et pour éliminer le maximum les problèmes qui sont d'origine partisane, et non pas vraiment des discussions entre programmes socio-économiques. Ce sont plutôt des clivages. Ce sont des luttes de clivages politiques. Voilà, D'autant que selon la feuille de route du quartet, vous ne deviez normalement quitter le pouvoir qu'après
la loi électorale et la désignation d'une date des élections, mais vous avez préféré partir immédiatement après la signature de la Constitution. Oui, j'ai fixé à maintes reprises en tant que Premier ministre, président du gouvernement, qu'on ne va pas céder le pays à l'inconnu. Je ne céderai les rênes que lorsque le pays soit sur la clarté, la voie du futur éclair et qui a une constitution, c'est la pièce primordiale, et qu'il va vers des élections. D'ailleurs, depuis qu'on m'a nommé président du gouvernement, j'ai déjà, au fond de moi, dit que lorsque nous serons près des élections, je vais proposer un gouvernement indépendant. Pour que personne ne puisse dire assurer que je vais... la... Oui, pour assurer la transparence et l'objectivité du l'objectivité. Gouvernement. Bon, ça a fini un peu plus tôt avec des pressions, etc. D'ailleurs, donc, votre geste a été salué, il faut l'avouer, par la communauté internationale c'est mon unanime. Devoir. Merci, c'est mon devoir. Voilà, c'est mon... et puis le fait que, ça a été, que la Constitution ait été votée par 200 voix sur 217, c'est aussi une unanimité nationale. Tout à fait, oui. On aurait pu aller vers un référendum, c'est-à-dire on fait la Constitution avec une majorité qui n'est pas de tiers, mais elle est grande, et on ira vers un référendum, mais c'est la Tunisie qui perdra du temps, et il n'y aura pas un consensus. Ce dialogue, ces négociations ont permis à la Tunisie de faire presque une certaine réconciliation entre les différents partis politiques et sociaux. Je voudrais maintenant que vous n'êtes plus au gouvernement, quel bilan rapidement de votre expérience du pouvoir, pas seulement en tant que président du gouvernement, mais aussi en tant que ministre de l'Intérieur, positif et négatif, si vous pouvez résumer trois points positifs, trois points négatifs. Pour ce qui est positif, je crois que j'ai, avec toute l'équipe, ce n'est pas moi seulement, avec tout le monde, nous avons préservé l'unité nationale, la cohésion sociale, nous avons sauvegardé la liberté dans ses différentes dimensions et on l'a ancrée davantage. Nous avons fait une constitution qui est presque consensuelle avec une majorité de plus de 93% et nous avons solutionné beaucoup de problèmes à caractère social et économique et entamé et fini même beaucoup de réformes au ministère de l'Intérieur, la fiscalité, l'investissement, etc. Et donc, nous avons fait de notre mieux. Qu'est-ce que vous considérez comme insuffisance ou échec durant cette période? Nous n'avons pas fait beaucoup de choses sur la question de la justice transitionnelle. Ça a été beaucoup... Trop long. Voilà, trop long et très long, voilà. Nous avons eu beaucoup de problèmes dans l'exécution des problèmes des programmes de développement dans les régions. L'administration et les problèmes administratifs tardaient toujours le taux d'exécution. Et nous avons eu beaucoup de temps à pouvoir convaincre les gens, les partis politiques et la société, qu'il faut faire la différence entre ceux qui lèvent les armes contre la société et les institutions de l'État, et ceux qui sont paisibles, mais que les différents entre eux, ce sont des différents de projets sociaux. Et donc, c'est la loi de la démocratie et de la liberté qui tranche et non la force. Monsieur le Premier ministre, il y a une question, je dirais, presque fantasmatique. Tous les Tunisiens fantasment sur la question des ressources naturelles cachées, que les gouvernements depuis Bourguiba à aujourd'hui, y compris Nahda, ne veulent pas dire. Le pétrole, on n'en parle pas, c'est tabou, on le cache. Alors vous étiez Premier ministre, président du gouvernement, quelle en est réellement la réalité? Surtout qu'il y a eu un article il y a quelques mois qui a nourri ce fantasme en disant que la Tunisie, un article d'un journal américain, que la Tunisie nageait sur une nappe pétrolière du nord au sud. Est-ce que les ressources de gaz et de pétrole aujourd'hui apportent suffisamment à l'État? Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une clarté sur cette question? Et puis, est-ce que c'est vrai qu'il y a des ressources en réserve? Depuis 2000, nous sommes un pays qui importe l'énergie, le pétrole et le gaz. Et notre consommation croît rapidement, les prix croient rapidement. Et donc, nous basons sur l'importation, outre l'exploitation de nos gisements. Nous avons des possibilités qui probablement sont grandes pour le gaz au schiste.
Il faut encore, faut-il convaincre justement, la une des la questions, société, c'est de savoir société, qu'il y a un énorme danger, Monsieur le Premier ministre, oui. sur le il gaz faut de schiste. Convaincre, oui, il y a nous un avons danger fait des études. Écologique. Oui, bon, là, il y a, nous avons fait beaucoup d'études, nous avons vu l'exemple américain, l'exemple du Royaume-Uni. Et la France a dû faire marche arrière sur cette question. Oui, la France a dû faire marche arrière. Et nous, mais elle a le nucléaire. Et elle a une grande influence sur la Tunisie, dans cette question, dans la population tunisienne, je veux dire. Mais jusqu'à maintenant, nous étudions et nous allons faire des essais pour vraiment bien, pour prendre la décision adéquate en ce qui concerne le gaz au juste. Mais cette question de vol, etc., il y a beaucoup d'experts qui travaillent là-dessus. De toutes les façons, en tant que Premier ministre, et selon le secrétaire d'État qui est spécialisé dans, en charge de cette question d'énergie, nous n'avons pas trouvé quelque chose, à moins que ce soit des problèmes de fisc, etc., et des enquêtes se poursuivent. Mais la Tunisie, il faut comprendre... Donc les choses sont sous contrôle. Sont sous contrôle. Et la Tunisie est un pays qui importe l'énergie et qui dépense beaucoup pour l'énergie. Et j'espère que les Tunisiens comprennent ça. C'est faux, nous ne sommes pas un pays qui a beaucoup de gaz. Les gens ont l'impression que la Tunisie est un pays producteur de gaz. Et nous avons... Non, nous avons, nous exploitons moins que nos besoins. Et j'espère que le futur nous donnera... des surprises sur... Monsieur le Président du gouvernement, puisque ce n'est pas tout à fait Premier ministre, vous avez raison, avant de passer au volet international de la politique tunisienne, je voudrais une dernière question nationale. Quelle est la place des jeunes dans les institutions tunisiennes après la Révolution? Qu'est-ce que vous avez fait pour cette jeunesse, pour l'intégrer dans l'État, dans tous ses rouages? Et puis, quelle est la place des jeunes dans votre propre mouvement? Parce que jusqu'à présent, force est de constater que ce soit sur le plan politique ou sur le plan partisan, on ne voit que des personnes d'un certain âge. Vous avez tout à fait raison sur cette question. La révolution tunisienne n'a pas de leader. Si leader il y a, c'est vraiment la jeunesse tunisienne. La révolution a été guidée par une jeunesse, ni par un parti politique, ni par un syndicat. Il est vrai qu'elle est très nourrie et très protégée par beaucoup de partis politiques et de syndicats, mais ceux qui se sont révoltés sont surtout les jeunes, puis viennent les adultes. Dans les partis politiques, la jeunesse manque encore. Elle n'est pas très enthousiaste pour entrer dans la politique parce que les partis politiques n'ont pas beaucoup de programmes. Ils sont très jeunes, ils sont en plein foisonnement. C'est une révolution dans chaque parti politique. Il y a même des dissensions, des divisions, etc. Il y a des programmes qui s'élaborent maintenant avec cette expérience de 3 ans. Et donc la jeunesse n'est pas encore présente avec son vrai potentiel dans les différents politiques. Pour ce qui est du parti Ennahda, il a misé sur la jeunesse et après une absence de plus de 20 ans entre les prisons et les exils, nous avons maintenant beaucoup d'adhérents des jeunes et nous essayons de rajeunir notre parti politique. Nous nous sommes rendus compte immédiatement après nos premières réunions que la moyenne d'âge était de 50 ans, c'est déjà trop. Alors que 20 ans avant, la moyenne était de 30 et même de 25. Donc vous avez tout à fait raison, il y a beaucoup de programmes doivent se faire pour vraiment répondre aux aspirations de la jeunesse et pour qu'elle soit présente dans les différents rouages de l'État et des partis politiques. Je dois vous avouer, j'ai été invité par le gouvernement géorgien à Tbilissi et j'étais très surpris de voir que la moyenne d'âge du cabinet ministériel dans son ensemble était de 29 ans. C'est extraordinaire, c'était frappant, mais c'était aussi, quand j'ai posé la question à M. Saakachvili, le président, il m'a dit « je mise sur le futur ». Moi, je voulais juste une question, est-ce qu'il y a eu une action concrète au sein de votre gouvernement pour préparer la place à cette jeunesse? Parce que nous avons des compétences extraordinaires en Tunisie. Oui. Au sein de notre mouvement, nous avons une division qui est chargée de la jeunesse. Elle fait beaucoup de programmes, beaucoup d'actions, et j'ai vu une jeunesse tunisienne au sein de notre mouvement, comme ailleurs. D'ailleurs, même j'ai eu une belle rencontre avec un groupe de jeunes. Ils sont pétris de volonté. Ils ont vraiment très disposés. Et ils ont beaucoup d'expérience. Hein. Ils sont surtout, ils ont fait les grandes écoles et ils ont allé loin dans leur étude. Maintenant, je leur ai dit beaucoup de choses, mais l'une, je leur ai dit attention, les dissensions, les problèmes
que nous avons vécu, nous, les tendances, les adultes, à l'époque de Ben Ali ou à l'époque de Bourguiba, j'espère que vous n'héritez pas ces problèmes. Vous héritez plutôt les leçons, et c'est tout. Donc maintenant, créez votre futur, vous êtes l'espoir de la Tunisie. Donc maintenant, c'est à vous, classe politique d'aujourd'hui, de conjuguer la fougue de la jeunesse avec l'expérience des personnes âgées, pour ne pas dire de la vieillesse. Oui, c'est bon à dire, c'est facile à dire, c'est pas toujours facile c'est à... C'est évident. Oui, c'est vrai. Parce que les adultes, les âgés ont généralement tendance à dire, bon, les autres ne savent pas, attention, ils sont encore jeunes, etc. Mais on essaie de toutes les façons, nous sommes très conscients au sein de notre mouvement pour ouvrir les portes devant la jeunesse dans les différentes institutions. D'ailleurs, dans le parti NAD, il y a beaucoup de jeunes maintenant dans les différentes institutions. On va revenir sur cette question, mais du point de vue français, si vous le permettez. Là, j'ai quelques questions sur la politique internationale et les liens avec l'étranger. Comme malheureusement, on est pris par le temps, on va essayer d'aller un peu plus vite. Alors, la question première que je vous pose, les relations avec la France, qui est le premier partenaire économique de la Tunisie, partenaire également historique, politique, culturel, qui a une influence considérable sur la population tunisienne. Est-ce qu'il y a eu des évolutions depuis le 14 janvier 2011 dans les liens et dans les rapports avec ce pays? Au début de la révolution, il y a un certain, comment dirais-je, c'est-à-dire intidar. Attente. Une certaine attente pour comprendre, etc. Mais tout après, la France a beaucoup aidé la Tunisie, a appuyé la révolution. D'ailleurs, je la remercie parce que les différents opposants ont trouvé refuge des décennies durant en Tunisie, en France, les réfugiés tunisiens. Et les rapports sont très forts entre la France et la Tunisie, sur le plan économique, sur le plan politique aussi, sur le plan de l'investissement. Est-ce que justement, les investissements, est-ce qu'ils sont constants, en baisse ou ils progressent depuis? D'ailleurs, le président Hollande a visité la Tunisie deux fois dans la même année. Il a porté son appui à la révolution tunisienne par une coopération qui se multiplie, s'approfondit et qui, dans tous les domaines, donc elle évolue plutôt, les relations économiques évoluent et la confiance et le respect évoluent. Reste à savoir que il y a, comme dans tous les pays qui font révolution, les pays arabes, l'Occident aide, mais aussi il attend. Il voit un peu, il attend l'évolution de la situation. Maintenant, c'est bon. C'est vous, bon. Vous aviez les rênes, et oui. On a une meilleure vision que quand on est de l'extérieur, même si oui. On est journaliste. Est-ce que vous avez le sentiment que l'adhésion de la France, même tardive, est une adhésion due au pragmatisme, à la réelle politique ou une réelle conviction de la nécessité de soutenir cette révolution? C'est une évolution et une révision sur quelques thèmes. Surtout avec la Troïka qui a donné un exemple jusqu'à maintenant de réussite dans un itinéraire de transition démocratique. La France elle-même, elle est en train d'évoluer en ce qui concerne son pari sur cette démocratie jeune et naissante en Tunisie. Donc, les deux à la fois, c'est d'une part évolution et de l'autre part pragmatisme, comme vous l'avez dit. Le discours récent de François Hollande à l'Assemblée nationale constituante à l'occasion de la fête du 7 février pour la constitution organisée par la présidence tunisienne de Mohamed Moussouf Marzouki, il a parlé de compatibilité entre l'islam et la démocratie. Est-ce que vous pensez que c'est une hymne à la révolution, c'est un hymne, pardon, à la révolution ou un message pragmatique à ses alliés traditionnels que sont les laïcs et les gauchistes tunisiens? Je crois que c'est que beaucoup d'hommes politiques et de penseurs réalisent actuellement que cette question de relation entre islam et démocratie est parfois mal posée. Personnellement, je dis que chaque religion, ou les religions que je connaisse au moins, peuvent être démocratiques comme au nom de ces religions on peut faire les pires exactions. Basculer dans donc, le... Voilà. Donc c'est la religiosité, c'est la façon d'interpréter la religion. C'est là qu'on peut dire est-ce que cette interprétation est démocratique et respecte les droits de l'homme ou non. Pour le parti Ennahda,
il essaye d'innover, il est en train d'innover sur cette question. Nous avons apporté notre contribution sur cette question depuis les années 81 et on est en perpétuelle évolution. Et je crois que l'itinéraire et l'approche que nous utilisons en Tunisie est d'une part spécifique à la Tunisie, mais aussi elle a des dimensions un peu plus vastes, c'est-à-dire on essaye d'innover sur cette question qui est être... immersé, non, je ne trouve pas le mot, c'est-à-dire être, comment vous dites ça? Enraciné. Enraciné dans son identité, entendre religion, culture, langue, histoire, tradition et tout, tout ce qui est, tout ce qui nous fait de nous cette spécificité de la Tunisie, et en même temps être enraciné dans son temps, c'est-à-dire dans la modernité et les leçons qu'a fait l'humanité avec ces différentes révolutions. Donc c'est un peu ça, ce juste milieu que nous sommes en train de réaliser en Tunisie. Grâce au génie tunisien. J'espère. Il faut être modeste. Nous essayons d'apporter notre contribution. La cohésion autour de la constitution consensuelle montre ce génie, justement. Pourquoi être modeste quand on a une qualité qui est prouvée à travers l'histoire de ce pays? Oui, beaucoup de gens, d'ailleurs j'ai dit aux Tunisiens à plusieurs reprises, tout le monde nous dit que vous réalisez beaucoup de choses, vous avez un génie, vous avez fait de grands pas, et ils sont contents de nous, sauf les Tunisiens ne sont pas contents. Parce qu'ils veulent toujours plus. Oui, c'est tout à fait normal. Monsieur Larrey, légitime et beaucoup plus grand. Monsieur Larrey, s'il vous plaît, on a beaucoup entendu parler du rôle grandissant des États-Unis d'Amérique et de son rôle de stabilisation de la politique de la société politique tunisienne. Qu'en est-il? Est-ce que c'est vrai ou bien est-ce que les relations sont classiques? Entre la révolution tunisienne et les États-Unis, il y a des relations de collaboration et d'assistance. Les Américains, à vrai dire, ils ont appuyé la révolution même lorsqu'elle s'est déroulée, c'est-à-dire durant les mois de révolution. Et après, ils ont apporté leur assistance et ils nous ont appuyés politiquement, économiquement et même dans les instances de financement, ils ont toujours appuyé la Tunisie. Donc les relations sont bonnes avec les États-Unis et elles évoluent davantage. Et nous étions clairs, nous, en tant que gouvernement et responsables. La Tunisie, après la révolution, est ouverte plus que jamais et elle veut collaborer avec tout le monde, mais dans le respect. Et ils nous respectent. En un mot, la déclaration de Larry Jeanne lors de cette fête de la Constitution ne risque pas de gêner les relations de la Tunisie et des États-Unis? Non, c'est un incident et ça peut se faire dans n'importe quel pays. Quel fut le rôle joué par l'Algérie pour soutenir la Tunisie dans cette période difficile? L'Algérie est un grand pays voisin, un frère. Ouais. Est-ce qu'ils ont été réellement positifs dans le soutien de l'État tunisien et de la Tunisie? Vous savez, c'est un pays frère et voisin et sur le plan sécuritaire, la collaboration est excellente et elle n'a cessé d'évoluer. Sur le plan de l'économie aussi, sur le plan d'échange politique sur les questions de la région ou les questions internationales aussi. Donc, il y a beaucoup d'échanges, de visites. Oui. Voilà. Et donc, c'est exemplaire, nos relations avec nos voisins algériens. On est obligé d'aller presque par oui ou par non parce que le temps nous rattrape. Okay. Il y a un journal algérien, Achourouk, que vous devez connaître, qui a écrit, avait même publié des photos comme quoi il y aurait sous votre mandat l'installation d'une base militaire américaine dans le sud tunisien. Non, il y en a. Intox ou info? Intox. Très bien. Je voulais vous dire que nous sommes en France. On ne peut pas occulter ce fait. Vous êtes sur un média français. Et dans ce pays, il y a plus de 600 000 Tunisiens, en tout cas officiellement. Il y a plus non officiellement. Oui. Quel est le message que l'ancien président du gouvernement, l'ancien ministre de l'Intérieur, le militant qui a souffert et qui a donné beaucoup de sa vie, y compris toute sa famille a souffert, peut passer à cette jeunesse? Parce que c'est essentiellement une jeunesse qui constitue ces Tunisiens en France. Nos Tunisiens à l'étranger sont environ le 1/10 de la population tunisienne. La Tunisie a besoin de tous les Tunisiens et ils peuvent tous contribuer par l'investissement, par l'expertise, par la technologie. Vous êtes nos ambassadeurs, donc faites votre devoir et vous allez trouver que dans les rouages de l'État, vous avez une très bonne place dans les différentes institutions de l'État. Donc c'est le moment ou jamais pour vraiment contribuer à bâtir cette Tunisie nouvelle, démocrate, tout en préservant les acquis d'avant
et ajouter. Ces jeunes Tunisiens ont des problèmes réels. Par exemple, le rejet qu'ils ont ici d'être totalement adoptés en tant que Français, ou le rejet quand ils partent dans le pays d'origine de leurs parents, de n'être pas vraiment Tunisiens puisqu'ils ne sont pas nés dans ce pays. Est-ce que le problème des binationaux va être regardé de près par les autorités tunisiennes à venir et par les partis politiques, parce que, comme l'ont fait d'autres pays, cela constitue une véritable richesse, c'est un pont entre la Tunisie et les pays dans lesquels résident ces deuxième et troisième générations. Vous l'avez bien dit, et puis notre constitution a déjà donné l'orientation. Elle a dit que les Tunisiens, là où ils sont des citoyens à plein droit, dont les différents droits, qu'ils soient politiques ou bien entendu économiques. Donc ils sont toujours les bien reçus dans leur pays. Nous attendons beaucoup de nos Tunisiens à l'étranger. D'ailleurs, actuellement, leur contribution a été évolutive durant ces 3 années. Il y a beaucoup de projets de Tunisiens qui implantent des projets de développement dans nos pays. La Tunisie va bâtir la démocratie. Lorsque nous serons un pays démocrate, c'est la science, c'est la technologie, c'est l'expertise. C'est ce transfert grâce à ces voilà. enfants. Et nous comptons sur eux. Merci beaucoup. J'ai une avant-dernière question, mais très rapidement. Là, on va arriver à des échéances qui vont ancrer la démocratie ou qui vont la mettre en danger, les futures élections. Quelles sont les informations? Quand est-ce qu'elles pourraient avoir lieu? Est-ce que la loi va être des élections majoritaires à liste ou comment ça va se passer? Ce n'est pas encore décidé. La loi est en cours d'élaboration. D'ici mi-mars, je crois que nous aurons une loi électorale votée et le rendez-vous des élections qui probablement soit avant, bien entendu, la fin de cette année, peut-être octobre. Je crois que ça va être en octobre et ça serait une réussite, je l'espère. Dernière question, quel est le message que vous souhaitez adresser aux citoyens français qui ne nous regardent pas, les Tunisiens ou les binationaux, les Français de ce pays où nous sommes? Quel message vous, l'ancien président du gouvernement, pourrez donner à ces citoyens? Je peux dire que merci à la France pour son soutien à la révolution tunisienne et merci à nos amis français qui viennent nombreux en voyage en Tunisie. Vous serez toujours les bienvenus en Tunisie. Par honnêteté intellectuelle, je voudrais signaler avant la fin de cette émission que certaines des questions ont été posées par des citoyens tunisiens qui m'ont envoyé leurs questions par Facebook, d'autres par des journalistes tunisiens qui n'ont pas eu l'honneur de vous recevoir, et la plupart sont de moi, votre serviteur. Merci, monsieur le président du gouvernement. J'utilise cette expression parce qu'il est d'usage de dire à quelqu'un qui démissionne d'un pouvoir de garder son titre. Merci d'avoir accepté. Merci beaucoup. Merci à vous et à vos auditeurs. Merci.